continue avec Julien Durden. Bonjour, messieurs. Salut. 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 Allô. Donc, moi, cette semaine, je vais vous faire un quiz culturel parce que je trouve qu'au Québec, on ne montre pas assez la culture. Tout ce qu'on voit dans les médias traditionnels, genre la télé, la radio, la pierre gravée, c'est jamais les artistes que personne ne connaît au Québec. Donc, j'ai un quiz, tu sais, c'est comme, mettons, c'est 1% qu'on montre aux nouvelles. T'sais, c'est comme si qu'un fermier il faisait 100 hectares de fraises, mais que ses cultivateurs mexicains récoltaient juste 1%, tu sais. Ouais, ça fait beaucoup de smoothies fraises-bananes qui manquent des ingrédients, là, on s'entend. C'est donc vrai, là, ça. Hein? Tenez-le vous pour dire le sirois. Donc, le sirois ou le sirois? Richard Zen, c'est pas le sirop. C'est le sirop du sirois. Donc, mon quiz, vu que j'ai fait l'affaire avec les fraises, j'ai appelé ça « Fraisons notre part ». Oh! Et, c'est un quiz où je vais coller le nom d'un artiste que personne ne connaît sur le front de Vincent. Okay. Et il va poser des questions, puis nous, on répond par oui, par non, puis tu vas essayer de deviner l'artiste. OK, OK. Si c'est trop difficile pour toi, j'ai des photos, j'ai des indices, tout ça. Donc, premier artiste que je colle sur ton front. Donc, montre la caméra, puis aux gens, pour que tout le monde sache. D'accord. Donc, c'est, le nom vous dit rien, ça se peut. Personne ne le connaît. C'est vraiment... OK, donc personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Alors vas-y, pose des questions. Est-ce que c'est un gars? Ben... Est-ce que c'est une... On le sait pas tant, mais je pense que c'est un gars. Mais je suis pas sûr. À la base. Est-ce qu'il est musicien? Je pense On le connaît pas tant. Est-ce que c'est un acteur? Non, c'est plus musique, je pense. Juste taper, pour être sûr que ça tombe pas. OK, oui, en tout cas. Je pense que c'est plus de la musique. D'après mes recherches, mais tu sais. OK, est-ce que c'est un musicien solo ou il fait partie d'un groupe? Ah, oh, man, c'est dur. Il est dans un groupe. Quand mais quand t'écoutes de la musique, il y a plein d'instruments. C'est sûr, c'est pas lui qui fait tout en même temps. Il peut pas tout faire, c'est ça. Non, c'est ça. Est-ce que. Mais c'est pas mal lui qui est à l'avant-plan, je pense. Ouais, il chante. Ah, lui, il connaît. Oh, tu connais. Ça me dit quand même pas. Est-ce qu'il joue d'un instrument ou non? Ça dépend. Je pense que. Je sais pas qu'est-ce que tu fais de tes temps libres, personnellement. Je l'ai jamais vu derrière un drum, par contre. OK. Ah, ça, c'est bon. Est-ce qu'il est québécois? Oui, on cherche de la sauce québécoise. Québécois, c'est ça. Okay. Québécois. Est-ce que c'est plus ce genre à faire le Centre Bell ou le Métropolis, mettons? Ben, il peut aller jouer où il veut, honnêtement. Là. C'est pas lui de décider. Il peut faire ce qu'il veut. Là, ouais, okay. Mais y a-tu la fanbase pour faire ça, mettons? Il y a beaucoup de gens qui achètent ces albums, surprenamment, pour quelqu'un que personne ne connaît, pour Ray Yvan, là. Ah, le gars, est-ce qu'il a déjà gagné la voix? Non. Non, mais on l'a vu à la voix, par exemple. On l'a vu, ouais. Il est sur le bord de la perche, je pense. Après ce que j'entends. OK, on l'a vu à la voix. Ouais. Donc, il était juge à la voix? Il était juge à la voix. Louis-Jean Cormier. Regarde, si c'est trop difficile, j'ai une photo un peu embrouillée. OK. Il va peut-être voir un indice. Donc, tu vois, on le connaît assez. C'est pas très clair la photo, on s'entend là. Pas si le monde à la maison, vous pouvez voir. Le frère d'Éric Lapointe, là, Hugo Lapointe. C'est presque Hugo Lapointe. T'es quand même pas pire. Éric Lapointe. Ouais! Bravo! Écoute, c'est très bon, c'est un artiste que, tu vois, encore là, personne connaît. Et il est né à Pointe-aux-Trembles le 28 septembre 1969 et il a vendu plus de 225 000 albums. On parle pas de lui. Non, c'est vrai. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Il a même fait la première partie des Rolling Stones à Paris. Il s'illustre à l'international, puis au Québec, quand est-ce qu'on parle d'Éric Lapointe? Il me semble avoir vu des images de quand il a ouvert pour les Stones à Paris. Et c'était pas l'hystérie dans la foule. Ah, je peux non. Le confirmer. Non, vraiment. C'est parce qu'il y a l'accent québécois, puis les Parisiens n'aiment pas trop ça. Donc, il y a un deuxième artiste que personne connaît. Okay, on peut y aller un peu plus... maintenant, dans le fond. Oui, maintenant. Donc, sur ton front, pose des questions. Alors, c'est un autre artiste aussi? Musicien. Artiste musicien. Je pense qu'elle elle fait donc... des sports aquatiques un peu. Elle a déjà parlé. Mais je sais qu'elle est nager. Je pense qu'elle est nager. Elle sait nager. Okay. Je l'ai déjà vu sur un cheval. Est-ce que. Est-ce qu'elle fait des reef, annonces Des annonces pour Valcartier? Ah, Valcartier. C'est les non, non, ça, c'est Annie Pelletier. Ah, OK, c'est pas elle. Ça, on le sait. C'est pas mal la seule dangereuse que je connais. Non, mais je pense qu'elle a déjà eu des talents musicaux. Non, mais attends, c'est lui qui t'a posé la question, Nick. Est-ce qu'elle a déjà eu une carrière comme artistique? Ouais, elle a une carrière. Ouais, c'est pour ça qu'elle est dans ta chronique, Julien. Faut pas dire... C'est pas Julie Payette. C'est pas une astronaute. Plus comme animatrice télé ou... Non, elle n'est pas animatrice télé. Non, je pense pas.
Non, ok. Ah, c'est pas. Est-ce qu'elle fait des émissions? Des émissions? Ouais, comme une émission de télé ou quelque chose comme ça, non? Moi, je l'ai juste vue à la télé dans ma vie. Je l'ai jamais vue en personne. On la voit nulle part ailleurs, d'ailleurs. Non, c'est dommage. Okay. C'est ça. Je pense qu'elle vit dans le sol, en fait. Est-ce qu'elle a un mari connu? Est-ce que... Ça, c'est touché un peu d'en parler. Ah, ok. C'est vraiment touché un peu d'en parler, madame. Ok. Allons pas là. Est-ce qu'il serait pas en train de devenir premier ministre ou il va se présenter? Non, il se présente pas beaucoup. Lui, la politique, c'est censé, ça l'intéresse pas beaucoup. Là. Non, ok. Mais allons pas là. La carrière politique est vraiment morte, là. Ouais. Il est très feu. Okay. Plein d'autres de ses projets. Est-ce qu'elle a un gros manoir? Mais est-ce que tu as une photo pour m'aider? Peut-être un indice? Peut-être une photo, ouais. C'est un montage. Ouais, parce que sinon, c'est top. C'est un montage truqué. Il y a Photoshop, donc ça se peut que tu ne la reconnais pas tout de suite. C'est vraiment un truqué, là. J'ai la photo pas truquée. T'as vraiment approprié la plus représentative. C'est-tu Marie-Mé? Ah, on s'approche. C'est Céline Dion. Ah oui, voici la photo pas truquée, tout le monde. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Parfait. Donc, courte bio de Céline Dion. Je vais te comprendre sa carrière politique. Bon. Courte bio de Céline Dion. Et tu vois tout ce qu'on va regretter d'avoir dit à l'écran. S'il vous plaît, les gars. Elle est née à Charlemagne et elle a grandi au Québec et vit maintenant à Los Angeles. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve pas de job au Québec. Non, c'est vrai. Oui, c'est pas compliqué. Elle habite à Los Angeles. Ouais. T'es vraiment bien renseigné, Julien. Je pense qu'elle a déjà résidé dans un hôtel là-bas, d'ailleurs. Là. Et son chocolat préféré, c'est celui avec du sucre. C'est ce que j'ai compris de cette entrevue. Et moi, je sais pourquoi ça ne marche pas à l'international. C'est parce que son nom est trop compliqué. Tu sais, il y a beaucoup de façons de comprendre le nom Céline Dion. Tu sais, il y a, mettons, Céline Dion. C'est comme Céline Dion. Peut-être que le monde pense qu'elle s'appelle Céline Dion. Ou encore, Céline Dion, comme si la bactérie, c'est difficile, ou le colis. Ou Cécile Martel Dionysos, mais que le Martel et le Cil et le Iosos, il est comme muet. Donc, on peut le comprendre comme ça. Moi, ce que j'y suggérais, c'est juste d'enlever son... les gars, c'est juste d'enlever son nom de famille, un peu comme le chanteur Bono. C'est sûr qu'ils ne le reconnaissent pas, le chanteur Bono, il est ici. OK, là, oui. Donc, ça, Céline, c'est plus clair, on sait c'est qui. Il n'y a pas de Céline. Et ça se dit mieux, mettons. Moi, je la verrais avoir une carrière, mettons, plus aux États-Unis, puis je dirais Céline. Céline. C'est vrai de même. Donc, troisième artiste. Donc, tu es prêt pour le quiz? Oui. J'ai presque vu, mais j'ai pas vu. Non, parce que c'était Éric Lapointe encore. OK. Voilà. Okay. Alors. Alors, est-ce que c'est un homme? Oui. OK. Donc, c'est un musicien, lui aussi. Oui, je suis resté dans la main de la musique. Je peux aller très loin. OK. Il n'est pas très connu. Hein. Est-ce qu'il fait plus dans le rock? T'es tellement d'aucune aise. Non, il ne fait pas tant dans le rock, non. Pas tant dans le rock. Il est plus comme chanteur lyrique, quoi? Ou t'sais, comme... Non plus. Non, pas. Est-ce qu'il fait d'autres choses que de la musique à la télé? Ou Il passe pas à la télé, il n'est pas connu. Non, il passe pas. Lui, il est plus dur, hein? Es-tu plus jeune ou plus vieux? Ouais, il est plus jeune. Plus jeune, donc c'est plus de la relève, comme... Ouais, plus jeune. Ouais. En fait, on va manquer de temps, donc je veux juste... Je dirais baroque, moi. Il s'appelle High Classified, donc tu peux lire ici, j'ai pas menti. Ah, High Classified. C'est un artiste hip-hop de Laval, d'où je viens. OK, j'aurais pas deviné. Non, mais ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il s'est fait signer par un grand label international et il a une carrière internationale en ce moment et on ne le voit pas à la télévision. Alors, donc, vous voyez, il y a plein d'artistes qu'on ne connaît pas et je vous invite à aller... Sa carrière est classified. Boum! Merci. High Classified. Merci, Montréal. Okay. Et je vous invite à aller à la rencontre des artistes d'ici, soit en googlant artistes d'ici, ou à aller sortir voir des shows dans votre quartier, ou à des sauts populaires, ils tiennent tous dans ce coin. Oui, c'est ça.